Hello, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apporte un weekly vlog. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, là je viens de terminer de faire le goûter pour l'école des enfants. Ce matin, il n'y a pas de fruits pour leur gamelle parce que c'est la nana qui a. Et je ne veux pas mettre dans la gamelle parce qu'à 10 h, ça sera déjà bizarre. Donc, elle part avec ça comme ça. Vous avez remarqué qu'il y a une dame qui a cassé son bol. C'est elle là qui a cassé son bol. Mais là, je mets le repas dedans là-dedans parce que. Elle saura être plus prudente en ouvrant. Bon, quand on est grande sœur, on hérite souvent des choses qu'on n'a pas faites. Donc, voilà pour leur petit-déj. Les quantités sont suffisantes, mais je crois qu'elles avaient rentré avec. Je vais diminuer ceci. Je vais enlever le plantain. Elles ne mangent pas souvent beaucoup. La grande, elle va manger. La petite, je pense que ça va pour elle. Maintenant, je vais fermer. Tout ce qui reste à faire, c'est mettre leur eau. Elsa, la goutte avec laquelle tu es passée à l'école hier, on a encore volé. Et ma fille, on compte déjà combien? Et quand ton ami a retiré le courage, tu n'as pas vu où il a jeté. Ça fait déjà combien que tu jettes à l'école, mon bébé? Une grande fille comme ça à classe 1. Faut bien garder tes choses. À 9 et tu ne jetais pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu joues trop. Donc tu as jeté toutes les petites. Va prendre la petite bouteille qui est dans ma chambre là. 1 litre. Comme ça, je vais mettre l'eau dedans ainsi. Je vais mettre ta part dans le 1 litre. Va prendre 1 litre. On va pas rendre tout le machin. Tu fermes l'eau là d'abord. Toi, c'est pour ça là-bas. Le couvercle de qui est pour qui? Ça, c'est
Ça, c'est pour moi. Ok, alors, laisse-moi faire. Si c'est un problème de couleur de couleur, c'est pas un problème. Ça là, c'est pour qui? La couleur, ça là, c'est pour Elsa. Bon, merci. Oui. Mais pourquoi tu oublies tout ça? Si c'est un problème de couleur, c'est même pas un problème. Mais si c'est un problème, il y a les quantités. Non, mais j'ai juste changé de couleur. La quantité de Elsa reste la quantité de Elsa. La quantité reste la quantité. Ça, c'est pour Elsa. À chaque fois que tu confonds, tu mets toujours le bon qui est passé. Maintenant, quand on change, il y aura toujours le bon qui est passé. Non, c'est toujours le bon qui est passé. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une table a été faite pour échanger sur ces droits et l'historique de ce jour. Après les échanges, il y a eu un dîner et beaucoup de causeries entre femmes. Là, je vous reprends dans ma cuisine. Je suis en train de râper le macabo avec mon grattoir, qu'on appelle aussi trappe. Pour celles qui ne connaissent pas le macabo, voilà comment ça se présente. C'est déjà épluché, voilà les peaux à côté. Après avoir épluché, on lave bien plusieurs fois. C'est gluant et ça gratte. C'est mieux de mettre les gants si c'est votre première fois. Dans la vidéo où j'ai fait la recette entière de macabo râpé, plusieurs personnes m'ont demandé c'est quoi le macabo. Donc voilà ça que je vous présente. Voilà comment on le râpe, en restant prudent avec ses doigts. Vous pouvez aussi l'écraser dans une machine à écraser que vous avez à la maison, si elle est de bonne puissance, ou même l'écraser au moulin du quartier en demandant qu'on lave bien. Moi, je râpe toujours sur mon grattoir parce que j'ai l'habitude. En plus, ce sont des petites quantités à manger sur 2 jours pour 5 personnes, car bébé aime bien le macabo râpé. Les bébés là, ils aiment bien ça. Ce jour, si je n'avais pas le manioc, j'ai fait juste le macabo. C'est pourquoi au moment de pétrir, je n'ai pas beaucoup mis de l'eau. Si vous voulez revoir comment je fais le macabo râpé avec la sauce blanche, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la vidéo en description. Ou si vous n'avez jamais vu comment on fait le macabo râpé, vous avez plusieurs vidéos sur le macabo râpé dans la liste de vidéos. Je vous reprends donc dimanche, vu que la journée de la femme était le vendredi. J'ai fait le macabo râpé le samedi. Et ici, je vous reprends le dimanche en train de sortir. Je vais à la réunion. Et comme chaque fois que je sors pour aller à la réunion, je fais des tours, je me balade un peu. À chaque fois que je sors, non, tout Yaoundé doit savoir que la maman, elle est sortie. Je dois faire les tours, faire quelques achats pour moi et pour la maison. Je me suis arrêtée à la station Total pour prendre un cappuccino parce que je devais faire des tours. Vous savez, je suis devenue fan de cappuccino depuis que je l'ai découvert. J'ai fait moi-même plusieurs fois à la maison. C'est vrai que je n'ai pas eu des mousses comme pour eux. Pour eux, c'est vraiment spécial parce qu'ils font avec leur machine-ci. Leur machine-ci, ça te sort le bon, le vrai cappuccino. Mais je vais essayer de trouver, avec toutes les astuces que vous m'avez données, comment moi-même obtenir mon bon cappuccino. Actuellement, avec les baisses de tension, mon mixeur ne fonctionne pas à tout moment. Du coup, il y a des fois, je veux prendre le cappuccino, il n'y a pas moyen de faire la mousse. Je me suis également arrêtée dans un supermarché pour regarder c'est quoi les prix des mixeurs actuellement. Et je suis tombée sur ça, aspirateur Dyson, la V8. Et le prix de ça, 630 000 francs CFA. Quand je regarde ça,
Je pense à nos baisses de tension, les variations de tension aussi. Vraiment, si quelqu'un investit dans un truc comme ça, il faut qu'il soit vraiment sous protection électrique. Car du jour au lendemain, le courant, s'il peut te péter ça. J'ai aussi guetté les couches pour voir s'il y avait des nouveautés moins chères, s'il y avait des nouveautés abordables. J'ai vu ce nouveau modèle-ci. Bref, je ne sais pas si c'est nouveau pour vous, mais pour moi, c'est nouveau. Joyful Plus. C'est presque le même prix que Molfix. Bon, c'est à tester. C'est à tester. Je vous balade un peu dans le supermarché pour que vous puissiez voir ce que nous avons un peu à Yaoundé pour celles qui ne sont pas à Yaoundé. Et je sais que ça fait toujours plaisir à celles qui sont à l'extérieur de voir comment nos supermarchés sont achalandés et tout. Je me suis arrêtée devant les pots. Parce qu'il faut un pot à bébé, il faut déjà que je commence à lui apprendre la propreté. Apprendre la propreté à l'enfant, ce n'est pas du tout mon fort, pas du tout. Je traîne souvent jusqu'à l'enfant devient propre seul. Cette fois-ci, je me suis dit, faut que je commence déjà. En même temps, je parcours les rayons pour voir ce qu'il y a, ce qui m'est utile. Je note aussi le prix et quand j'ai le budget pour ça, je viens direct acheter. Par contre, j'ai acheté mes cotons disques pour mes soins de visage. Je n'aime pas rester sans ça parce que j'ai toujours de l'eau micellaire à Yaoundé, la poussière. J'ai aussi regardé le savon Mekako pour nettoyer mon ventre. Après la césarienne, le ventre est un peu noirci, vu que c'est un ventre qu'on n'a même pas touché, même pas massé. Et le savon Mekako m'aide toujours, après la grossesse, à enlever le noir. Je ne sais pas si vous avez souvent ça. Après la grossesse, le ventre devient un peu noir, genre. Moi, je retire ça toujours avec le savon Mekako depuis ma première grossesse. N'hésitez pas à me dire vous comment vous faites. Est-ce que vous connaissez même ça? Là, j'ai pris l'ancien, celui qui est tout vert. La Mekako a maintenant différents types. J'ai pris le tout ancien, celui que je connais en tout cas. Ensuite, je me suis dirigée au Star Mall ouvert à la nouvelle route Bastos. C'était la première fois pour moi d'aller découvrir ce supermarché qui est grand, qui a les produits made in Cameroun et les produits made in ailleurs. Les produits made in ailleurs sont toujours bien coûteux. J'ai aimé le achalandage, j'ai aimé l'éclairage. Bref, c'est un supermarché vraiment, vraiment. C'est beau. Ce n'est pas que l'extérieur qui est joli, mais l'intérieur aussi est beau. À l'entrée, il y a un restaurant où on peut se rafraîchir. Bon, je fais le tour avec vous pour que vous puissiez voir un peu comment ça se présente pour celles qui sont à Yaoundé et qui ne sont pas encore parties là-bas et pour celles qui ne sont pas à Yaoundé avant d'arriver à ma réunion. La réunion des dames, toujours avec les commentaires. Quand nous arrivons, nous faisons les commentaires sur comment s'est passé le mois de chacune. C'est un groupe de quelques copines et notre dress code ce jour était culotte bleue et chemise blanche.
C'est vrai que tout le monde n'était pas dans le dress code, mais c'était déjà ça. Après ça, on fait notre petite tontine. On a notre petit montant que nous cotisons tous les mois. Et à la fin, on mange et on boit. On danse un peu, puis on clôture. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Bye bye!